Afin de juguler les effets pervers et dévastateurs de la pluie et prévenir des sinistres de la sorte, une séance de travail a réuni les sachants autour du premier citoyen de la ville de Pointe-Noire et ses collaborateurs afin de trouver des solutions adéquates pour prévenir les prochaines pluies. Jean-François Kando dans son mot préliminaire. Les causes principales de ces calamités sont connues, à savoir l'occupation anarchique des lits mineurs de rivières et de leurs abords par des citoyens civiques, l'occupation anarchique des marécages et autres zones déclarées non constructibles, le remblayage des zones marécageuses qui servaient de bassins de rétention d'eau avant leur écoulement vers la mer, l'utilisation des cours d'eau comme dépotoirs des déchets, l'envahissement des cours d'eau par des herbes, la réduction accrue du tirant d'eau, l'occupation des zones non constructibles, etc. Il sied de rappeler à nos concitoyennes et concitoyens que l'occupation de ces zones dangereuses est strictement interdite par les lois et règlements de la République. Mise en place pour recenser les problèmes relatifs à cette situation dévastatrice de la pluie du 5 au 6 janvier dernier. La commission restreinte a rendu ses conclusions où un plan de riposte a été élaboré. Plusieurs actions urgentes sont nécessaires pour éviter une nouvelle catastrophe pour les prochaines pluies. Comme action à court terme, 1. La sensibilisation des populations riveraines aux cours d'eau à travers les médias, les responsables d'associations et les politiques. 2. La sensibilisation de la société Maisons sans frontières pour les aménagements de l'assainissement global de leurs sites. 3. La négociation avec les entreprises de génie civil pour la mise à disposition du matériel adéquat. 4. Le maintien et l'intensification des opérations de focardage des exutoires primaires comme la Songolo, la Chimuka, la Chukogo et le Pradoa de la Loya. Toutefois, à travers la projection des images relatives à cette pluie, les suggestions ont été faites à séance tenante et l'implication de tous les acteurs de la ville océane a été sollicitée par Jean-François Kanto pour la mise en application des dispositions arrêtées par la commission restreinte et cela à court terme.